Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Saint-Denis, je suis administrateur des pages Trappeur Trappeur Québec, entre Épicule-Lanosière et l'autre nouvellement ouverte depuis vendredi, Trappeur Trappeur. Trappeur Trappeur Québec Chasse et Pêche, qu'on vient d'ouvrir ça, moi et mon chum Jean Martineau. On est tous les deux administrateurs de cette page-là. Et Jean est aussi administrateur de la page de Trappe. Fait qu'on trouve ça bien le fun. Depuis vendredi, les membres, ils rentrent à pocheter. C'est super le fun de vous lire, de regarder vos vidéos. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est le fun. Puis continuez à nous partager des photos, ces deux pages-là. C'est super le fun. Puis vos trucs, vos expériences. En tout cas, nous autres, on a appris ça beaucoup. Aujourd'hui, on est en soirée. Je pense qu'il est 20h. On est mercredi, mardi. J'ai décidé de venir faire des collets. J'étais tenu dans la maison. Fait que j'ai été dans mon garage, puis j'ai dû aller monter une couple de collets. Fait que moi, mes collets, ceux que je te préfère, c'est avec du wire d'acier 3,32, pas vrai, 5,64. 5,64, 1,19. Avec des ressorts Emberg, des barbures Emberg, avec une ferrule double, une ferrule simple, un washer. Je vous montre ça. Puis mes wires, je les ai coupés à 45 pouces. Que mon chum Carl Hudon m'a dit de couper ça à 45 pouces. Moi, j'ai coupé à 42. Ils ont essayé ça à 45 pouces. Tu m'en as donné une nouvelle. Carl Hudon, qui est propriétaire des leurs forgettes. Fait que j'en ai coupé une coupelle. Fait que là, je vous montre ça. Puis si c'est quelque chose, zin, qu'à m'écrire ou en privé ou direct sur la page. Là, j'essaie de faire de mon mieux, parce que c'est pas évident de filmer tout seul. Comme ça, j'ai mon chum Jean ou mon chum Jordan qui me conseille, là, quand on sait même l'autre, c'est plus de fun que direct de même. Fait que je vous montre la collette du mieux que je peux, puis si c'est quelque chose que je vous dis, je n'ai pas, posez-moi des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Fait que moi, on va chercher ça, puis je vous montre ça. Fait que je vais couper mon wire d'acier. Ben, j'en ai coupé beaucoup. Je m'en coupe... Je m'en suis coupé un peu comme 5 douzaines d'avance. Fait que je vous montre ça tout de suite. J'espère qu'on voit bien. Encore, c'est ça. Oup. Bon, on y va. Je mets ma barbure Hamburg comme ça. Oup, comme ça. J'ai mon embout. Fait qu'on a un embout, mais mon bout de wire d'acier. Fait que je rentre ça ici, dans la petite crampe qu'il y a là. Ferrule double. Rentre ça sur le bout. Là, toujours important de garder la courbe naturelle là, quand il est enroulé sur le rouleau. Il se garde comme une petite courbe là, naturelle. Si tu mets de l'autre bord, là, ça va tout fucker ton collet, il ne fermera pas bien. Ça fait que là, je vais faire tout de suite la loupe. On tourne ça. J'ai pas mis une nette là. Tiens. Une belle petite loupe. Je vais aller fermer ça avec ma pince à ferrule. Puis je reviens pour finir le restant. Ça prend 2 secondes. Attendez-moi. J'arrive. Tiens. J'ai fait ma loupe. Ma barre est tout le temps là. Moi, c'est le principe que je fais. Il y en a qui peuvent. Tu peux faire ça autrement comme tu veux, mais moi, je suis habitué, j'ai fait de même, ça va super bien. Tu prends ton autre bout. Tu rentres ça dans le petit trou qu'il y a là. Par derrière. Comme ça. Puis moi, je me garde tout le temps un modèle de collet que je fais. Parce que d'un bout à l'autre, à un moment donné, t'en fais plus beaucoup. Fait que t'as rien pour en faire. T'es tout mélangé, tu sais plus comment tu te passes. Fait que quand t'en fais plusieurs douzaines, t'arrives à un moment donné, un bout de 2 ans, là, tout dépend. Mais moi, j'en installe pas 3000 collets, là. Mais c'est ça. Fait que, pour ça. Là, je prends mon ressort. Ici. Mon ressort Hamburg. Elle glisse dedans. Je me prends un petit washer 1.8 qui fait super bien.
il y en a qui prendront pas de washer, qui vont prendre une ferrule un peu plus grosse pour bloquer le ressort, ça marche la même chose. Moi, je prends une petite ferrule 5,64, même grosseur que le wire. Fait que je m'en vais fermer ça avec ma pince à ferrule. Fait que je suis obligé de monter le processus de fermer ça avec une pince à ferrule. Vous savez tout à peu près comment que ça marche. On va serrer ça, puis j'en vais. Ok, c'est comme ça que ça... C'est voyons! C'est ça que ça donne. Je vais un peu kinker un peu le... Tiens. Ça donne un beau collet. La seule différence qu'il y a entre du 1.19 et du 7.7, la grosseur du wire, c'est que lui, il est beaucoup plus raide, un peu beaucoup plus rigide. Puis l'autre ici, j'en ai un avec du 7.7. Il est comme plus, il est bien plus mou, il est plus flexible. Là. Tout dépend de vos goûts à vous. Là. Ok, ça fait des beaux collets ronds. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Un petit peu la fabrication de collets vite fait. Avec des rasoirs Emberg. Puis tout le kit Emberg avec du collet. Du collet du wire d'acier 5.64. Bon. C'est que je voulais vous dire merci d'être là sur nos pages. C'est super le fun. Partager en grand nombre les vidéos, conseils, vous demander des questions. C'est super le fun. Même si on ne connaît pas la réponse, il y a tellement de gens, là, il y a quelqu'un dans le groupe là, qui va trouver la réponse, c'est super, la fun, merci beaucoup encore. Puis, s'il y a des questions concernant le montage de collet, gênez-vous pas, vous n'avez qu'à m'écrire à moi ou à Jean ou quoi que ce soit là, sur la page. Là. Puis, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Puis, faites attention à vous, restez chez vous le temps du confinement. Faites pas les beaux os comme qu'il y en a beaucoup, des gros rassemblements, puis... Parce qu'on veut vous avoir en santé, puis attention à vous. Puis à la prochaine, puis...